pour la photo. L'affiche du spectacle, je suis à poil, parce que je me mets à nu. C'est vrai que je parle de ce que j'ai à l'intérieur, je vais parler de choses vraies, de ce que j'ai ressenti, que ce soit, ça peut être des choses agréables ou désagréables. On va pas trop parler de la mort ce soir, mais on va parler un peu quand même. La mort ! C'est un nouveau spectacle improvisé, en fait, où j'arrive sur scène et selon l'inspiration, selon ce que je parle avec les gens, parce que j'interagis avec les gens du public, ben, y a des idées qui vont me venir. Et puis je vais raconter des choses, je vais parler avec les gens, je vais les faire parler. Puis il y a plein de choses que je vais faire que je ne sais pas encore, en fait. Donc Mérin, moi j'ai été élevé à Mérin Cité, avenue de Vaudagne. Non, pas tant. Et bien évidemment, il y a une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, les jeunes. En fait, on jouait dehors. Je te jure. C'est-à-dire qu'on allait dehors et on jouait. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est tous les parents qui appellent, qui disent, tu vois, je t'avais dit. Chaque génération a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on aurait tous voulu avoir le numéro de la fille, on pouvait contacter directement. Maintenant, on devait appeler chez les parents. Bonjour, est-ce que Camélia est là? Et en fait, quand on devait rentrer, il n'y avait pas de téléphone. Il y a un mec qui disait David, entends. Bon, mes parents, c'est espagnol, alors c'était pas comme ça, c'était David, attendez. Ben, je suis né. Je suis pas né ici, mais mes parents habitaient là, des immigrés espagnols. C'était l'époque fin des années 60, donc 70. Et puis en fait, j'ai vécu les 24 premières années à Mérin. C'est toujours agréable de revenir là. Et en fait, on avait des pantalons qui nous arrivaient à peu près ici. Et avec des Burlington de couleur rose, jaune, bleu. Et avec des chaussures bateau qui étaient blanches ou ce que tu voulais, mais il fallait que ça pète. J'ai l'exemple même là à côté de moi, mon fils. Ouais. Tu peux mettre debout, s'il te plaît, t'es là ? Bon, je te garde, t'es là. Hein. Non, tu vois pas. Alors, ta maman, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle arrête de faire ? Parce que maintenant, t'as quand même 32 ans. Il serait temps qu'elle arrête de faire. Voilà, lance-toi un message. Lâche-moi. Et ça, c'est filmé, t'es là, t'es lâche-moi. Je comprends qu'être mère, c'est quand même assez... Pas facile. Tu veux lui dire un truc tendre ? Je t'aime. Ma mère qui était au téléphone et qui essayait d'avoir une conversation à peu près normale, et moi j'étais à côté, je fais Hé maman, arrête. Et je savais que ça l'énervait. Hé maman. Et là, elle chope la première chose qu'elle avait à portée de main, et il s'est trouvé que c'était des godasses de foot. Les miennes, crampons à lui. Et là, je vois qu'elle les prend, et je dis, ça y est, c'est bon, elle a craqué. Et elle les jette, je cours comme ça au ralenti, dans le salon, et je me couche en disant... Et au moment où je me couche, il y a les godasses qui passent, et elle pète la vitre. Et là, elle vient, elle me met de mon âme, elle me fait, pourquoi tu t'es couché ? J'ai réalisé que j'avais vraiment un don pour l'improvisation. Parce que je crois que pour n'importe qui a des dons, moi je crois que j'ai celui-là. Et j'avais envie de l'utiliser, puis de travailler avec, parce que c'est la vie, c'est l'improvisation, c'est tous les jours. On parle, on agit sans préparer. Et c'est une manière de voir qu'on maîtrise rien, en fait, et puis que c'est pas grave. Posso cantare in italiano? Ah, basta già. Ich habe Deutsch gelernt. Ich möchte mehr Deutsch sprechen, aber ich weiß nicht mehr. I am so proud to be here tonight. I'm so proud to be here in front of you without fear. Cause I'm a man trying to go forward. J'ai parlé en français, ce sera plus simple pour comprendre les paroles. Du coup, il y aura du sang et ça l'amuse. Ce que je veux
venir là, j'étais fier de moi. En fait, ce que je fais, c'est de parler de la vie de tout le monde. Je parle de l'intérieur, je parle pas de c'est bien ou c'est pas bien. Et là, c'est une sensation de liberté qui est assez impressionnante. Et du retour que j'ai, en fait, les gens aussi sentent cette liberté. D'un coup, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Je ne t'ai pas vu arriver au loin, mon petit copain. Je ne t'ai pas vu, car tu étais là devant moi. J'avais mal regardé, comme je te jure. Est venu ce beau prince charmant. J'ai failli faire un petit verlic sans ce beau prince charmant. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne comprend pas. Moi, je suis une chanteuse française qui...